Les premiers mots du comité de normalisation nouvellement installé par la voix de sa présidente, Madame Mariam Daou Gabala. Madame. Merci. Bonjour à tous. Je voudrais, au nom de mes collègues, dire juste quelques mots. Et je pense que mes premiers mots vont être un mot de remerciement. Un mot de remerciement pour la confiance qui a été mise en nos humbles personnes, pour apporter notre pierre à l'édifice de construction du football ivoirien. Comme vous le savez, le football est un sport roi en Côte d'Ivoire. Le football est le creuset de la paix. Le football est le sport qui réunit l'ensemble des Ivoiriens, quel que soit leur bord et quel que soit leur âge. Et nous demander de venir aider, de mettre à disposition nos compétences pour aider à relever ce sport, je pense que c'est une très très grande confiance. Et nous allons essayer, avec l'aide de Dieu et avec l'aide de tous, d'apporter cette pierre. Parce qu'il n'est pas normal que la locomotive du football africain et ouest-africain soit dans cet état. Nous allons mettre tout ce que nous avons en nous pour servir notre nation à travers la mission qui nous a été confiée. C'est une mission citoyenne. Notre hymne national nous dit « Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle ». Le pays nous appelle pour aider à redresser le sport ivoirien, et je crois que nous allons apporter notre contribution. Je parle au nom de mes deux collègues, professeur Bémou et maître Adou Abé. C'est tout ce que je voulais dire. Nous voulons compter sur vos prières pour que cela réussisse, parce qu'il y va vraiment de l'image et de la cohésion dans cette nation. Je vous remercie. Bien, c'était la déclaration de Madame la Présidente. Merci, mesdames et messieurs.